Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment heureux de faire cette vidéo avec vous sur une des questions qui me paraît le plus important. Pourquoi ? Pourquoi je vis ? Et comme dit la chanson, pourquoi je vis ? Pourquoi je meurs ? Et comme nous dit la célèbre citation de Mark Twain, il y a deux jours importants dans la vie d'un être humain. Le jour de sa naissance et le jour où il sait pourquoi. Deuxième question très importante. Devant toutes les réponses qui me sont proposées, comment savoir, comment connaître quelle est la vérité? Quand je parle de la vérité, c'est la vérité avec un grand V. Et donc ce que je vais vous proposer par ces vidéos, c'est ensemble d'avoir un temps de réflexion sous forme d'enquête, comme une enquête policière par exemple. Et comme tout bon enquêteur, nous allons commencer par le commencement. Et je crois qu'il est important de savoir, de connaître, que comme dans une enquête, par exemple, si on est en train d'enquêter sur un vol, il y a forcément une seule vérité. Il est important de ne pas se fier aux apparences, mais de se fier aux faits et éventuellement à des témoins qui sont fiables. Je crois aussi de la même façon que chaque personne dans le monde a une vision du monde qui lui est propre et que de chaque vision du monde découle ce qu'on appelle une croyance. C'est pour ça qu'il convient de dire que nous sommes tous des croyants, que nous voyons tous le monde avec une certaine façon de croire. Et donc, je voudrais me pencher aujourd'hui sur trois façons de voir le monde. Trois façons de voir le monde dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, que nous croyons en un Dieu créateur ou pas. Donc, dans ces trois visions du monde que je vous propose de décortiquer un petit peu, il faut savoir qu'une vision du monde, pour être cohérente, doit répondre à trois questions. Première question, l'origine, ou en d'autres termes, d'où venons-nous? Deuxième question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Troisième question importante, quelle est la solution pour régler les choses qui ne vont pas? Donc nous allons aborder trois visions du monde. Mais je vous propose dans un premier temps de comparer deux visions du monde qui sont dans des catégories complètement différentes. Donc une vision du monde qui est sans Dieu et une vision du monde qui est avec Dieu. Donc nous allons prendre la vision du monde matérialiste et la vision du monde selon la religion. La vision matérialiste du monde répond que nous sommes le fruit du hasard. La vision religieuse du monde nous dit qu'il y a un Dieu créateur. Donc la vision matérialiste ou évolutionniste ou athée du monde répond par le fait que ce qui ne va pas, c'est parce qu'il y a de la religion, il y a de la superstition, et donc c'est là le gros du problème de l'humanité. Tandis que la vision religieuse du monde nous dit que ce qui ne va pas, c'est que l'homme est perverti, l'homme est corrompu. Pour la vision du monde matérialiste, la solution et dans l'éducation. Donc pour apporter une solution au monde, il faut éduquer les gens, par l'éducation bien sûr, par la technique et par la science. Donc si on a ces trois piliers, la science, l'éducation et la technique, ça va rendre le monde heureux. Dans la vision religieuse du monde, qu'est-ce qu'elle dit? Les hommes doivent faire de bonnes œuvres, un maximum de bonnes actions pour pouvoir calmer la colère d'un Dieu. Mais que dit la Bible? Donc nous allons aborder la vision biblique du monde. À la première question, d'où venons-nous? Quelle est notre origine? Évidemment, la Bible dit que Dieu nous a créés. Au commencement, Dieu. Dieu créa le ciel et la terre. Et il a créé aussi l'homme, l'être humain, à son image, de façon parfaite. Alors, deuxième question, mais si Dieu a créé un homme si parfait, et une création si parfaite, pourquoi tous ces problèmes? Alors, la réponse à cette question est très simple. C'est que l'homme est né libre. Dieu l'a créé libre. Il lui a donné le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Il lui a donné le pouvoir de rejeter Dieu ou d'accepter Dieu dans sa vie. Donc le problème que nous avons aujourd'hui est à cause de la tentation qu'il y a eu dans le jardin d'Éden, où le diable est venu tenter l'homme. Et l'homme a désobéi à la parole de Dieu
en ayant cru au mensonge du diable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit des guerres, des souffrances, et que le monde est dans un espèce de chaos sans nom. Troisième question, quelle est la solution? La solution, c'est la foi dans l'amour d'un Dieu qui t'aime. Dans l'amour d'un Dieu qui n'est pas contre toi et qui veut être réconcilié avec toi. Donc nous avons vu ces trois façons de voir le monde différentes. Et tu ne peux jamais changer ta vie sans avoir changé ta façon de voir le monde. Et ta façon de voir le monde va avoir un impact sur ta façon de vivre ta vie sur Terre. Sur ta façon d'être heureux ou d'être malheureux. Et même ta façon de voir le monde va avoir un impact sur l'éternité, que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Donc d'où l'importance de se poser les bonnes questions. Première bonne question, y a-t-il un Dieu créateur? Et si oui, quel impact ce Dieu créateur peut avoir sur ma vie? Je vous propose de continuer cette enquête dans les prochaines vidéos.